des manifestations violentes dans le cadre de l'affaire dite Ousmane Sonko à Dissar. Les manifestants se sont attaqués à des édifices publics et privés et ont occupé la voie publique en y brûlant des pneus et d'autres objets. Ils se sont également affrontés avec les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, hier nuit, aux environs de 21h, mon domicile a fait l'objet d'attaques de la part des manifestants qui ont violemment saccagé le domicile et mon véhicule de fonction qui est actuellement hors d'usage. Ce matin également, ils ont repris les manifestations et se sont attaqués à d'autres édifices, particulièrement à la station d'essence de Bignona qu'ils ont saccagé et qu'ils ont tenté de brûler. D'ailleurs, même au niveau de mon domicile, les manifestants ont tenté de brûler le véhicule et la maison. Heureusement que cela n'a pas abouti. Ce matin, au cours des manifestations, effectivement, un jeune a été blessé, puis évacué au centre de santé par les éléments des sapeurs-pompiers. Et malheureusement, il est décédé au niveau du centre de santé Calme, à l'endroit de la jeunesse, et particulièrement à l'endroit des jeunes qui sont en train de manifester, pour leur demander de bien vouloir cesser les manifestations. Les forces de défense et de sécurité sont là pour veiller sur la sécurité des personnes et des biens, de jour comme de nuit. Donc ce ne sont pas des ennemis de la population. Ce ne sont pas non plus des ennemis de la jeunesse eux-mêmes. Donc vraiment, je voudrais inviter solennellement les manifestants à arrêter d'attaquer les édifices publics et surtout à arrêter d'attaquer les forces de défense et de sécurité. La station d'essence de Bignona contient des milliers de litres de carburant. Si les manifestants s'aventurent à mettre du feu dans cette station d'essence, c'est toute la commune qui va partir en lambeaux. Je crois que ça, quand même, ça va être regrettable. Merci beaucoup. Préfet, j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que on a demandé à faire recours à l'armée? Est-ce qu'il y a eu un recours à l'armée qui a été fait? Et l'autre question, on parle dans les réseaux sociaux d'un homme de tenue qui a été brûlé vif à Bignona. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Aucun homme de tenue n'a été brûlé vif à Bignona. C'est clair. Il est évident que les manifestants ont tenté de mettre le feu sur un agent de sécurité de proximité. Ils lui ont déjà versé de l'essence, mais heureusement ce dernier a réussi à s'échapper. Mais ils allaient mettre le feu sur lui. Concernant les forces de défense et de sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, l'armée, la gendarmerie et les autres forces de défense sont là pour protéger les populations et les biens. C'est uniquement cela. Est-ce qu'il y a un bilan auprès des forces de défense? Est-ce qu'il y a des blessés? Combien? Effectivement, il y a des blessés. Nous n'avons pas encore un bilan définitif, mais il y a des blessés du côté des forces de défense. Je sais qu'il y en a au moins deux. Okay. C'est des policiers ou des gendarmes? C'est des gendarmes. Okay. Okay.